L'année dernière, j'ai été 322 jours en déplacement. J'ai parcouru l'équivalent de 350 000 miles en avion. La Lune n'est qu'à 250. Bienvenue, monsieur Bingham. Je travaille pour une boîte qui me loue à des lâches qui n'ont pas le courage de licencier leurs propres employés. Et ça se comprend. Tu te prends pour qui? Parce que les gens deviennent dingues quand on les vire. Vous me rendrez votre badge. On a intégré une pointure diplômée de Cornell, Nathalie Kinner. Fais-lui faire le tour du métier. Est-ce que j'ai l'air d'un guide? Sors le grand jeu, forme-la. Quoi? Suivez-moi. Vous collez jamais derrière des vieux. Ils ont le corps truffé de métal et une fâcheuse tendance à oublier qu'il leur reste peu de temps à vivre. Bingo. Des Asiates. Votre bagage, ça voyage efficace et les lacets, ils connaissent pas. Ceux-là, je les aime. C'est raciste. Je suis comme ma mère, je stéréotype. On gagne du temps. Cette histoire de miles, c'est quoi exactement? Le but est d'en accumuler un maximum. Combien à peu près? Comme ça? Ah. Comme ça? Sans vouloir me vanter. C'est hyper sexy. Les privilèges nous excitent l'un et l'autre. Joli, le coup du porte-serviette. Dommage qu'on n'ait pas tenu jusqu'au lit. Faudra réitérer. Quel genre de relation vous avez? Ça t'est jamais arrivé de regarder quelqu'un dans les yeux? D'avoir l'impression qu'on contemple ton âme et que le monde s'arrête autour de toi? Si. Ben moi non. Tu t'es isolé avec la vie que tu mènes? Isolé? Je suis encerclé. Un revenant. Je sais, en fait, j'osais pas t'appeler. T'osais pas. S'il y en a une avec qui tu crains rien, c'est bien moi. Réfléchissez. Les plus beaux souvenirs, les plus grands moments de votre existence. Vous étiez seul? La vie est plus belle à deux.